Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver et bien pour vous parler ce coup-ci et bien d'une application, l'application Garmin Explorer. Cette application est installable et bien sur nos téléphones mais également sur nos tablettes. Alors c'est une application qui est à mi-chemin entre les planificateurs d'itinéraires que l'on peut retrouver et bien sur internet et le logiciel Basecamp que l'on a chez Garmin. Alors, c'est vraiment une application très intéressante puisqu'on va pouvoir planifier nos parcours et sur un fond de carte OpenStreetMap de plutôt très très bonne qualité. Donc, l'application, comme on va pouvoir le voir, donc là, tel que vous voyez à l'écran, on a quand même une carte sur laquelle on va retrouver eh bien, la route, mais aussi les chemins et on retrouve eh bien, les courbes de niveau. Donc, en termes de richesse, c'est plutôt très intéressant. Alors, comment fonctionne eh bien, notre système? Eh bien, on va venir cliquer en haut sur le petit plus, et là, on va aller sur création d'une route, enfin, d'une route, d'un chemin. C'est à vous, en fait, d'être très attentif en fonction de ce que vous souhaitez tracer sur la route ou sur le VTT. En fait, il n'y a pas de définition du profil, enfin, de l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment à vous d'être très attentif. Alors, eh bien, il suffit tout simplement d'agrandir et puis de marquer un point de départ. Tout simplement, puis ensuite de poser une succession de points. Et tel que vous le voyez, eh bien, on est sur un traçage qui est véritablement vectoriel. Donc il suffit de poser vos différents points au fur et à mesure et on va pouvoir revenir. Alors là, dans le cas présent, vous pouvez le constater, je suis parti un petit peu à côté de la route. Donc je vais tout simplement venir poser mon doigt sur mon dernier point. Et là, j'ai eh bien, une petite poubelle qui me dit que je peux supprimer le point. Alors moi, ce n'est pas tout ce que je vais, tout à fait ce que je vais faire. Je vais tout simplement prendre le point en faisant une petite pression. J'ai une petite carte qui s'ouvre en haut et je déplace mon point. En fait, je vais pouvoir déplacer en fait, mes points. Et ça, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment très intéressante. Alors, on va continuer à tracer un petit peu. Voilà. Donc, on se déplace. Alors, je me dis, tiens, je vais passer là. Donc, je recommence comme je vous ai montré tout à l'heure. Je viens cliquer tout simplement sur le point et je vais tout simplement le supprimer. Voilà, je vais pouvoir déplacer mes points au fur et à mesure que ce que je souhaite tracer. Donc vous avez vu, c'est vraiment très intuitif, hein, ça se fait véritablement très très bien. Alors là, je me dis, tiens, non, je ne vais pas passer par ce point-là, je vais passer par le haut. Eh bien, je vais venir sur le dernier point, ici, et je vais pouvoir, en fait, tout simplement le déplacer. Et ça, c'est pareil, c'est tout nouveau sur l'application. Je vais pouvoir déplacer mon point et il va me proposer un ensemble de choses. Alors là, de nouveau, je me dis, tiens, je vais aller explorer certaines choses. Donc là, en cas présent, je vais continuer à tracer mes points. Voilà, tout simplement, je vais zoomer. Donc là, de nouveau, je suis passé un petit peu à côté. Je me déplace. Et là, je suis sur une zone, on imagine que le chemin n'est pas identifié. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement désémonter et je vais pouvoir tracer eh bien, tout simplement manuellement et je peux véritablement visualiser le secteur sur lequel eh bien, j'ai tracé d'un point de vue, enfin, d'une façon vectorielle, mais aussi ensuite eh bien, de façon manuelle. Donc, aussitôt, je vais pouvoir réactiver mon aimant et je vais pouvoir tracer de façon vectorielle. Alors là, par exemple, je peux aller très très loin puisque je vais venir jusqu'ici, ce qui fait que je vais pouvoir limiter le nombre de points. Là, par exemple, il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de risque d'incompréhension. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais supprimer le point. Et ce qui fait que je vais pouvoir retirer mon nombre de points puisque, comme on va le voir, eh bien, on est limité à 50 points. En fait, c'est 50 points pour eh bien, bénéficier de la navigation sur la montre. Alors, pour avoir fait différents tests, je n'ai pas rencontré de véritables difficultés, mais c'est une façon de limiter en fait, les risques d'incompréhension lorsque vous êtes en train de tracer votre parcours. Donc, de nouveau, eh bien, on va venir ici. Alors, je vais me redéplacer tout simplement voilà, pour repasser sur ce point. Puis, on va aller sur le haut. Voilà, on va jouer un petit peu. Ah, pas tout à fait passé par ce que je souhaitais qu'il passe. Donc, je vais redéplacer mon point. Voilà. Oh. J'ai fini par obtenir ce que je souhaitais. Vous avez vu, hein, c'est vraiment très, très, très intuitif de déplacer son point pour construire. Je pourrais éventuellement, de nouveau, je vais rappuyer et il va me faire forcément une proposition. Alors, je vais lui construire. Voilà, vous, il m'a proposé autre chose. Bon, c'est pas spécialement très heureux. Donc,
Je vais le supprimer. Hop. Je vais reconstruire comme j'avais construit tout à l'heure. Voyez-vous. Alors, de temps en temps, il faut se battre. Bon, là, il faut dire aussi que je demande des choses peut-être un peu compliquées. Hop, on le fera manuel. Donc, voyez-vous, hein, c'est vraiment très très simple, très très simple à utiliser. Moi, franchement, je trouve l'application vraiment très très bien faite. Et c'est un vrai bonheur de tracer ces parcours. Donc, hop, voyez-vous, tout simplement. Et on va revenir et on va pouvoir continuer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, vous l'avez compris, c'est quand même très très simple d'exploitation. Voilà. Alors, est-ce que c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, tout à fait. Hop, voilà. Donc, voyez-vous, hein, c'est vraiment très 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 simple. Une fois qu'on vous avez fini votre parcours, hein, parcours en boucle ou en ligne droite, il faut vraiment être très attentif si vous êtes sur la route ou sur du VTT ou du gravel, puisqu'il n'y aura pas de. On ne va pas déterminer en fait le type de surface. Alors, je n'ai pas parlé de la cartographie, mais en fait, au niveau de la cartographie, on va retrouver deux types de cartographie ici. Il y en a une qui est plutôt dédié, on va dire, à la route, hein, sur lequel on a vraiment une carte très millimétriste. Hein. Là, donc, à présent, on retrouve vraiment aucun chemin. Donc, pour ceux qui souhaitent faire de la route, bah, c'est peut-être une façon d'éviter un ensemble de complications. Alors, c'est avec les grands axes, hein, quand même. Moi, je préfère quand même cette carte qui est quand même beaucoup plus riche. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très, très bien. Vous avez un petit rappel ici qui vous permet, eh bien, de savoir comment fonctionne le nouveau système, hein, pour tracer vos parcours. Vous allez pouvoir venir zoomer, c'est-à-dire vous rendre sur une localisation particulière, hein, il suffira de rentrer le nom de la localisation, tout simplement. Puis ensuite, eh bien, on vient enregistrer. Alors lorsqu'on enregistre notre parcours, donc on a un récap de notre système, on va pouvoir, eh bien, éventuellement, c'est partager notre parcours, donc là vous allez pouvoir, eh bien, l'envoyer dans un SMS par exemple, dans la boîte mail, vous allez pouvoir vérifier le profil de votre parcours. C'est plutôt très intéressant. Moi, je trouve ça vraiment plutôt sympa en termes de visualisation. On sait au niveau du point où est-ce qu'on est. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir revenir rééditer le parcours. Hein, c'est-à-dire, on va revenir sur la construction du parcours, hein, par exemple, tout simplement. On va venir rééditer. Hop, non. De nouveau, et c'est ici, et voilà, tout simplement, par exemple, hein, on trace, donc vous avez vu, on nous dit qu'on est arrivé à la limite du recalculé pour la navigation, mais véritablement, hein, c'est une fausse limite, hein, puisqu'on peut continuer à travailler sans le moindre problème. Ah, il n'est pas passé par l'endroit que je souhaitais. Voilà, tout simplement, vous avez vu, hein, c'est vraiment, vraiment très, très, très simple d'utilisation. Voyez-vous, hop, de nouveau. Je vais le faire revenir au bon endroit. Voilà, tout simplement. Et là, on va, pour moi, le parcours est finalisé. Donc, c'est plutôt sympa. Là, on va pouvoir visualiser le bord de mer. Donc, enregistré. Notre parcours est enregistré. On va pouvoir éventuellement, c'est le renommer. Hein, d'accord? Puis, bien sûr, le partager. Donc, là, recalculer. Copier. Le tout, en fait, on va pouvoir le copier dans ce qui va être les tracés, dans l'itinéraire, enregistrer une copie au niveau de la carte, le supprimer, modifier certaines choses, les points, etc., etc. Voilà, c'est vraiment, vraiment très, très simple d'utilisation. Alors, au niveau de la bibliothèque, on se retrouve avec différentes listes. Hein. Vous pouvez créer différents types de bibliothèques dans lesquelles vous allez pouvoir ranger vos différents parcours. Hein. C'est à vous d'organiser. Hein. On retrouve nos différents tracés. Par exemple, là, nos différents parcours. Donc, vous pouvez à tout moment, c'est de nouveau resélectionner votre parcours. Par exemple, on va resélectionner le parcours qui est ici et on va pouvoir de nouveau l'éditer. Donc, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre, eh bien, le traçage du parcours, l'enregistrer, de nouveau le partager. Vous pouvez revenir. Vous allez pouvoir, bien sûr, eh bien, le supprimer, le partager, etc., etc. Voilà, c'est vraiment une utilisation qui est vraiment très très simple et d'autant plus qu'elle est très intéressante dans le sens où, eh bien, vous allez pouvoir partager votre parcours, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas, eh bien, de montre compatible, par exemple, avec cette application, eh bien, il suffira tout simplement de venir sur partager et là, sur partager, on va pouvoir, eh bien, venir sur notre boîte mail. On va pouvoir sélectionner la boîte mail et vous allez pouvoir partager, eh bien, votre parcours. Vous l'envoyez, puis ensuite, eh bien, une fois que vous allez être dans votre parcours,
ici, eh bien, tout simplement, voilà, on va pouvoir cibler de nouveau différents types d'applications. Alors que l'on soit, par exemple, ici, on va retrouver eh bien, TuNav, on va retrouver Xplova, on va retrouver Garmin. Alors, je n'ai pas installé Suunto, je n'ai pas installé Garmin Express, mais on pourrait avoir Garmin Express Mobile et de nouveau l'envoyer chez Garmin Express Mobile. Et on pourra l'envoyer dans notre Edge ensuite. Donc, vous avez vu, c'est quand même vraiment très, très simple d'utilisation pour l'envoyer eh bien, sur différents supports. Donc, véritablement, c'est une application que j'apprécie beaucoup, hein, surtout que Garmin a vraiment fait un petit effort quand même conséquent sur eh bien, le traçage du parcours, hein, parce que c'est vraiment très, très simple et très facile d'utilisation. Hein, c'est vraiment, en termes d'utilisation, enfin voilà, c'est une très, très belle application que moi, je trouve vraiment très sympathique. Eh bien, si vous avez des questions concernant cette application, n'hésitez pas eh bien, à les poser en dessous la vidéo. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.